je vais à la rencontre de Bianca, une passionnée de sport motorisé qui réside à Saint-Michel-des-Saints. Elle me réserve une belle journée en côte à côte, dans les sentiers autour du lac Taureau. Elle va aussi me montrer en quoi consiste son emploi. C'est là que notre aventure commence. J'apporte le casque de sécurité pour une deuxième fois cette saison-ci pour aller à la rencontre de Bianca Barry, conseillère juridique en entreprise et aussi responsable des communications pour une compagnie de construction, comme vous voyez et vous entendez. Derrière moi, il y a le chantier. Puis justement, je m'en vais à sa rencontre. Bianca! Hey, allô! Allô! Je suis contente de te voir! Oui, beaucoup! Merci de l'invitation! Ça me fait plaisir. Bienvenue dans notre petit coin de pays, dans le nord de la Naudière. T'es une Chicks and Machines, on se connaît. Je connais tes passions, les sports motorisés. Tu fais à peu près tous les sports motorisés, mais je connaissais pas ce côté-là de toi. Oui. Et là, je suis super intéressée à ce que tu me fasses faire le tour. On va faire le tour du chantier, puis en même temps, bien, je vais t'expliquer un petit peu tout ce que je fais dans le cadre de mon travail. Qu'est-ce que vous construisez ici, Bianca? Bien, tu vois, ça ici, c'est la patinoire couverte réfrigérée du centre Pierre-Dalcourt à Saint-Félix-de-Valois. C'est une patinoire dont la dalle de béton est réfrigérée au glycol. Toi, quand tu es sur le chantier comme ça, qu'est-ce que ça représente pour toi de le voir comme ça qui est en train de naître? C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une belle chance parce que trois quarts du temps, moi je suis dans les bureaux comme conseillère juridique. Fait que je le vois beaucoup sur papier, le chantier. Mais là, quand je viens ici pour le volet communicationnel de mon travail... C'est pour ça que tu viens en chantier. C'est ça, exactement. Quand tu viens pour la portion communication, tu prends des photos pour les médias ou... Bien, ces photos-là et ces vidéos-là, on va les mettre sur nos médias sociaux. On les met aussi, on va nourrir notre site Internet avec. Comment t'as été accueillie en tant que femme dans l'industrie de la construction, Bianca? Bien, tu vois, c'est quelque chose que, pas que j'appréhendais, mais je me demandais justement comment ça allait être. Puis finalement, j'ai été agréablement surprise. Ouais. Je sais pas si c'est à cause des valeurs de l'entreprise chez GMI Construction qui ont comme été transmises par notre président qu'on a à l'égard de tous les employés qui travaillent partout, que ce soit sur les chantiers ou dans le bureau. Mais en tout cas, je peux dire que moi, dans mon cas, j'ai vraiment été bien accueillie puis j'ai été agréablement surprise. C'est tellement important, là. Ouais. On passe tellement d'heures au travail, on veut que ça soit dans un environnement sain. C'est sûr que pour une juriste, c'est un peu non conventionnel de travailler dans la construction. Mais je pense que là, j'ai trouvé ma place, j'ai comme trouvé mon amalgame, mon juste milieu. On le voit que t'es bien aussi puis on le voit que t'aimes ça, là. T'es passionnée quand t'en parles. Exactement. Donc là, j'ai découvert ton côté travail. Oui. Maintenant, demain, tu m'apportes voir l'autre côté de Bianca. Oui. Je t'emmène à Saint-Michel-des-Saints, au lac Taureau, dans mon petit patelin. Puis on va aller faire une belle ride de side-by-side. On va probablement se rendre justement jusqu'au barrage du lac Taureau. Puis là, ben, on va aller brûler du gaz, puis on va avoir du fun. Salut! T'as fait bonne route? Oui! Longue route, mais bonne route! Ben écoute, bienvenue chez nous, à Saint-Michel-des-Saints, dans le coin du lac Taureau. J'ai hâte de découvrir ça. On va te faire découvrir ça en masse. Et puis là, nos machines sont où? Écoute, ils sont serrés. Je les ai cachés, mais je vais te faire découvrir ça bientôt. Oh my God! Bianca, ton garage! Ça, c'est le garage d'une passionnée. Parle-moi de tes autres passions. Je suis quelqu'un qui aime ça toucher à tout. J'essaye tout ce qu'un moteur, ça me passionne, puis je veux tout essayer. Mais je t'avouerais que mes deux passions les plus grandes, c'est la motoneige hors sentier d'hiver et c'est le motocross l'été. Ça fait combien de temps que les sports motorisés sont rentrés dans ta vie? Hey, ça fait plus de 10 ans. OK, fait que c'est pas d'hier. Non, c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Puis on dirait que quand je suis arrivée à la fin de l'adolescence, je me suis dit, ça fait longtemps que j'emprunte en secret les affaires de mon frère puis les affaires de mon chum. Là, je me suis dit, garde, je m'assume puis je m'achète mes affaires à moi. Puis ça a commencé justement avec la motoneige de sentier. Fait que c'est la première machine que tu t'es achetée, c'est ouais, ça? Oui, c'était un petit MXZ. Pas encore, c'était 2008. Et là, pour aujourd'hui, tu nous as réservé quoi comme machine et comme trajet? Aujourd'hui, on va aller se promener en side-by-side. On a la chance d'avoir aujourd'hui un Maverick X3 XRC Turbo RR. C'est une machine qui développe 200 HP, c'est une vie. Ça a tout un sens. On a évidemment une autre machine avec nous de Can-Am, d'avoir chacun
un volant. Notre parcours, ben, on s'en va vers le barrage du lac Taureau. Oui, c'est magnifique. Oui, on a quelques kilomètres à parcourir, mais tu vas voir, on va avoir vraiment une belle route. Prêt, Bianca? Yes! S'il y avait de la poussière, nos visages vont y répondre. Oui, peuvent confirmer. Ouais, on a une belle. Un beau pinch. Ouais. Pinch de poussière. Ouais. On arbore maintenant la moustache. Ouais. Signe qu'on a travaillé fort. On a fait combien de kilomètres pour se rendre ici? À peu près une cinquantaine de kilomètres. Ici, c'est le barrage du lac Taureau. C'est un barrage qui contrôle à la fois le niveau du réservoir, évidemment, mais ce réservoir-là sert à contrôler l'eau au niveau du Saint-Maurice. OK. Donc, qui vient de Trois-Rivières. Exactement. Ce qui est bien, c'est qu'à l'année, on peut passer sur le barrage. Ben oui. Ça fait que l'hiver, on peut passer à motoneige. C'était serré en côte à côte, hein? Oui, là, en côte à côte. J'ai déjà passé en enduro, puis. Ouais, là, c'est pas tout à fait la même chose que moto. C'est beau quand on traverse, là. Oui. Mais là, moi, j'ai faim. Oui, moi aussi, j'ai faim. On va s'installer sur le bord de l'eau. Je pense qu'on va aller se laver le visage au bord aussi, du lac. Oui. Pensez-vous qu'on a besoin? Ça s'appelle se laver avec les moyens du bord. Bianca, t'es collaboratrice de Chicks and Machines depuis un moment déjà. Comment ça a commencé pour toi? Ben écoute, ça remonte à... Ben, ça va bientôt faire presque 2 ans. Il y avait à l'époque une des Chicks and Machines de l'époque qui m'avait contactée. Puis qui m'avait dit, écoute, j'ai vu ce que tu fais, tout ça. Puis ça a l'air de fitter avec qu'est-ce qu'on a puis qu'est-ce qu'on a comme valeur chez Chicks and Machines. Est-ce que tu aimerais ça regarder pour te joindre à nous? Puis là, au début, je me disais, mon Dieu, c'est quoi ça, Chicks and Machines? Et justement, je suis allée sur votre site Internet. Je suis allée regarder vos médias sociaux, tout ça. Puis là, quand j'ai vu justement comment la femme était positionnée, tu sais, moi, au départ, je me suis dit, hey, si c'est quelque chose, là, que c'est des filles en bikini sur des calendriers, c'est clair, net et précis que je n'en ai pas, là. C'est un gros non. Mais non, et finalement, c'est absolument le contraire. Tu sais, en fait, c'est de vraiment de montrer qui on est en tant que femme, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis de venir dire, ben garde, peu importe c'est quoi la machine à moteur, qu'est-ce qu'il y en a, ben on le fait, on l'essaie, puis on s'assume là-dedans. Quand j'ai découvert les autres filles, je me suis dit, hey my god, tu sais, en jasant avec ces filles-là. L'esprit de communauté fait du bien. Ouais, ouais, vraiment. Ou de faire le saut, toi tu le faisais déjà, mais il y a beaucoup de filles qui n'en faisaient pas avant de sport motorisé, puis qui ont commencé grâce à des filles comme toi. D'avoir des femmes qui nous écrivent, des femmes qui nous contactent, puis qui nous demande des conseils. C'est beau, on dirait que moi, ça me replonge dans mes débuts, dans les moments où moi, justement, j'aurais peut-être aimé ça, avoir quelqu'un qui me dise « Hey, si tu te sens comme ça, c'est normal. Si la première ride que t'as eue en m'entendant genre pute... » T'as pleuré dans ton casque, c'est normal. T'es comme une grosse patate, puis que tu te disais « Mon Dieu, je fais rien de bien, ben c'est normal. » Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui hésitent à se lancer, peu importe le sport motorisé? Ben mon Dieu, allez-y. Allez-y, n'hésitez pas. On a tendance à se dire, hey, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce qu'un tel, qu'est-ce qu'une telle va penser? Mettez-vous pas de barrière, faites-le pour vous. Tant et si longtemps que vous le faites pour vous. Vous allez être tellement fière. Vous allez être contente, vous allez être fière. Dans la mesure où tu le fais pour toi, moi, je pense qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter. Très bien dit, Bianca. Mm. Très inspirant. Malheureusement, malgré le fait que ce soit super beau ici au barrage du lac Taureau, ben il faut reprendre la route. Oui, toute bonne chose a une fin. Hein? Exactement. Ça fait que c'est retour vers la maison. Celle-là, on finit notre petit snack puis oui, on y va. Absolument.
Bianca. C'est toujours agréable de passer du temps avec toi. J'ai déjà hâte à notre prochaine aventure. Puis je suis contente aussi que le show permette de te faire connaître parce que tu es une fille vraiment inspirante. Puis je suis certaine que tu vas inspirer plein d'autres filles à faire le saut dans leur passion puis à pas hésiter. Si c'est justement, ça peut aider un petit peu. C'est sûr. Si ça peut pousser ces filles-là, tu sais, puis c'est important qu'elles se fassent confiance. Hey, merci, Bianca. Bien, merci à toi d'être venue nous voir. Écoute, ça fait plaisir n'importe quand.